Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de notre Let's Play Aventure Découverte sur Mario Kart. Pourquoi Mario Kart? Je sais pas, j'ai ça dans la tête. Mais sur Minecraft, Nintendo Switch édition, Mario édition, on sait pas trop comment on l'appelle. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui, j'ai trouvé le portail de l'Inde. Alors attendez, bonjour. Meurs. Voilà, meurs. J'ai trouvé le portail de l'Inde. Enfin, en fait, c'est vrai que je vous avais demandé des conseils pour comment crafter un portail de l'Inde. Et on m'a dit tout simplement, mais utilise tes perles tout simplement pour trouver le portail qui est sur la map. Et apparemment, oui, il y a donc bien un portail sur la map. Je sais pas exactement comment on y accède. Donc là, je voulais qu'on regarde un petit peu ensemble dans un premier temps le Stromgold, voir comment il était fait. Et après, on ira tuer tout simplement le dragon. Alors vous allez voir, je me suis fait un petit stuff. Donc c'est un peu cheaté, je vous avoue. Mais au moins, on va juste aller tester le dragon, voir un petit peu ce qu'il donne. Donc là, j'ai un full stuff en diamant pas enchanté, tout simplement. Et en plus, c'est un petit skin Mario, comme on l'avait pas vu, c'est plutôt cool. J'ai une petite épée en diamant avec tranche en 5, parce que oui, c'est les livres qu'il y a de base dans le game mode 1. Un arc puissance 5 Infinity. J'ai quelques blocs. J'ai ici de la poudre à canon, donc on s'en fout totalement. Voilà, je sais pas pourquoi c'est là. J'avais ça pour faire des armures, des enclumes, voilà, parce qu'il y en a plein, parce que je trouvais pas le truc dans le game mode 1. Donc là, on va se faire un petit tour, voilà, pour ce dernier épisode. On regarde un petit peu le strong game, comment ça se passe. Beurre, meurs. Normalement, j'ai... Ah, mais ça, c'est des pommes d'or. Ouais, j'avais pris des petites pommes d'or au cas où, voilà. Parce qu'il faut pas que ce soit trop compliqué. Donc là, il y a l'air d'avoir ce qu'on appelle les bibliothèques. Très bien, on n'avait pas vu de skin de bibliothèque depuis le début, donc c'est assez intéressant. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes pas content de cette fin de série, mais voilà, je vous avais dit que ça allait être plutôt court, et c'est où je m'arrêtais à 10, mais je voyais pas quoi faire encore pendant 2 épisodes, et là, de faire l'end, ça va être assez stylé, et voir un petit peu, parce que peut-être l'exploration prendra du temps d'ailleurs, parce que ça doit être un end un petit peu modifié comme la version 1.9, donc on va aller voir ça, on va se rendre dans l'end maintenant, c'est parti, regardez comment ce portail est beau. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise, je n'ai pas de pioche. Et voilà, les amis, j'ai pris quelques blocs du coup et la fameuse pioche en diamant pour pouvoir sortir d'ici. Je suis désolé, j'avais complètement zappé ça, je me suis dit de toute façon je m'étais préparé mais pour rien. Donc voilà, j'ai réussi quand même à arriver dans cette end avec une musique qui est très stressante. C'est plutôt cool, je pense que c'est le manoir de Bowser qui est comme ça, le château de Bowser, non, cette musique là, je sais plus trop. Mais bon, voilà. Alors sortons un petit peu, est-ce qu'on peut sortir s'il vous plaît? Bonjour. Ah, c'est là. On va voir du coup le skin de cet Ender Dragon. Alors attendez. Bonjour. Où est-il? Ah, du coup, il faut tirer sur ça là-bas. Ah là là, ça va être difficile. Oh, les Endermen, ils sont tellement stylés. Je crois qu'on en avait déjà vu, mais là, ils sont grave stylés. Hop. C'est vrai qu'en plus, il y a ça à casser. Oh merde, j'ai droppé mon arc. Dud. Hop. Oh, regardez comme il est trop stylé. On dirait un sort de serpent. Attendez, ça ressemble à quoi normalement ça? Attendez, je sais pas. Est-ce qu'il essaie de représenter Bowser? Je sais pas. Peut-être. Mais il ressemble un petit peu, je trouve. Hop, on va tirer sur ça. On va éviter de se prendre des dégâts pour le moment. Oulala. Le souffle du dragon. On va prendre une pomme dorée. Putain, on prend grave cher en vrai. On prend grave cher. Hop, on va tirer sur ça. C'est assez compliqué à viser hein, toujours avec... cette manette. Hop. Je pense que là ça passe. Non, pas du tout. Hop. Je prends des dégâts encore ou quoi? Non, c'est bon. J'ai pas l'impression. Là-haut ça heal encore. C'est mort ici. Très bien. Est-ce qu'on arrive à le... Putain, ça va être dur de le toucher par contre, j'ai l'impression. Ça va être très dur de le toucher. Ok, là c'est mort. Très bien. Là-bas. Il y en a qu'il faudra casser. Donc, hop. On va aller ici. On va devoir casser ici de toute manière. Mais c'est cool. Je le trouve grave stylé. Du coup, on va se mettre sur ces blocs-là. Et on va monter ici. Alors, comment on fait déjà? Comme ça pour monter très simplement. En tout cas, c'est cool. Le petit dragon pour terminer cette mini-série. J'espère que ça vous fait plaisir, hein, qu'on a réussi à le faire quand même. Je pensais pas qu'il y serait. À la base, je pensais pas qu'il y aurait l'Ender Dragon. Mais au moins... What the fuck? Je me suis fait one shot. Et voilà les amis, on est de retour. Donc j'ai galéré un petit peu. Je vous avouerai, j'ai pas trop compris pourquoi j'étais mort. Mais ok, très bien. Donc on va retenter. Je sais pas pourquoi ça explose en fait. C'est pour ça que je comprends pas. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout. Est-ce que c'est le dragon qui m'a fait ça? Est-ce qu'il m'a one shot lui-même? Ou pas?
Alors ça, c'est la bonne question. Donc on va voir. Donc ce que je vais faire, bien évidemment, je pense que c'est parce que j'ai tapé le truc avec un coup de pioche. Et du coup, ça me l'a fait exploser sur ma gueule. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais manger une petite pomme d'or au cas où. Pour avoir un petit peu plus de vie. Hop, hop. Allez, monte ici. Très bien. Donc là, on va sneak. Hop. Comme ça, pour faire une sorte de petite base ici. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Oh, non! Non! Encore! Bon, les amis, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en ai vraiment marre. Donc, le problème a été que j'avais pas de lit, en fait, à proximité du portail. Du coup, pour revenir, c'était long. Putain, mais il me met des dégâts, il me met des patates. C'est hallucinant. On va manger ça. Hop, on va prendre le truc. Par contre, je le vois pas, c'est ça mon problème en fait. Il est où? Il est là-haut. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? On va le pré-shot. Pré-shot. Meurs. Ah, par contre, il a la hitbox de la façon dont il a les ailes. Hop, hop, il tire ça. Nous là, il faut lui faire un maximum de dégâts. Oh, il est tellement stylé par contre. Meurs. T'as pas regardé, il a les yeux un petit peu, il louche un peu, non? Hop. Ouais. Très bien. Donc là, est-ce qu'il va nous envoyer des sortes de boules? Je sais pas ce qu'il nous envoie, des boules de feu ou je sais pas. Ah oui, c'est ça en fait. C'est ça qu'on prend comme dégâts. D'accord. C'est ça qui nous a tués plusieurs fois. Maintenant, on le voit un petit peu mieux. Bien évidemment. Alors attendez, on va se mettre ici. Est-ce qu'il va nous refaire son... Par contre, toi, tu vas arrêter de suite. Ah, Straf. Hop, il faut manger une pomme. Très bien. Ok. Ah, c'est long le switch des trucs. Meurs. On a bien enlevé tous les healers. Hein. Oui, oui. Parce que j'ai enlevé le healer tout seul. Hein. Parce que je pensais que j'allais encore mourir. Du coup, j'ai enlevé le healer tout seul. Je suis tombé encore. C'était la galère. Quoi. C'était la galère. Hop. Cours. Cours. On va y arriver les amis, on va tuer l'Ender Dragon. Bon, c'est pas legit hein, parce que je me suis donné du stuff bien évidemment, mais le but c'était de découvrir hein, sur cette série. Plus que deux. Hop, ah c'est bien. En fait, il faut le toucher quand il est là et du coup, il s'arrête. Hop. Charge à fond. Allez, on peut le faire. On peut y aller. La barre de vie descend. Non. On va y arriver. Allez. Aïe. Alors, il est où? Il faut qu'on arrive à le toucher au loin. Hop. Ah oui, là, il fait des charges et tout. On y arrive, on va y arriver. Oui. Oh oui. Tac. Allez, c'est bon. Ah. Meurs. Non, mais j'arrive pas. Il lui manque rien, il lui manque un coup. Est-ce qu'on arriverait à le faire à l'épée? Ah, je sais pas, je pense pas. Et c'est bon, c'est la mort de l'Ender Dragon. On a donc réussi à l'avoir pour ce dernier épisode extraordinaire. Extraordinaire. J'ai même un lit d'ailleurs. Je sais même pas si je peux le poser. Ouais, je peux le poser. Bizarre. On va dormir ici. Et on peut pas poser. On peut pas dormir dedans. Ah! Où est-ce que je suis? Bon, ben voilà, on aura tué l'Ender Dragon. Vous lire au feu, j'ai été absent ou inaccessible. D'accord, très bien. Bah, du coup, on recommence là où on a commencé notre aventure. En plus, il pleut, c'est extraordinaire. Bon, ce sera un épisode plutôt court, mais au moins, on aura vu les choses qu'il y avait à voir sur cette map, je pense, en détail. Peut-être que l'Inde après est un peu plus grand, mais au moins, on aura tué l'Ender Dragon. Voilà, bah, c'était plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé faire ce genre de série de découvertes sur cette petite map. Je pense qu'on pourrait faire ça aussi sur Minecraft, sur PC, parce qu'il y a plein de petites maps qui sont assez intéressantes à faire. Attendez, samedi prochain, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est déjà tourné, qui est pas mal. Petite découverte, vraiment, je vous en dis pas plus. Mais ça sort samedi prochain. Et pour ceux qui regardent la vidéo à sa sortie, donc on est aujourd'hui dimanche, pour ceux qui regardent la vidéo à sa sortie, on se retrouve à partir de 13h30 pour un stream extraordinaire de plus de 8h pour l'événement Cubes Hunter. Donc si vous pouvez être là, venez passer faire un coucou, bien évidemment, comme d'habitude. Et nous, on se dit au revoir pour cette série. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous avez été plutôt enjaillé dessus. Hein. Au fur et à mesure, ça remonte un petit peu au niveau des vues. Ça fait toujours plaisir. Et donc, on la termine. Donc j'espère que pour cet épisode définitif et final de notre aventure Let's Play sur cette map,
Vous pouvez faire les 100 likes, les potes, ça serait bien. Mettez un maximum de likes pour me remercier de cette série. Si ça vous a plu, bien évidemment, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.